啊，伊内さん，伊内さん。Ryu san, I'm all right, but Hazuki sensei. My father?Ryo-san! Fuku-san! Stay back, Ryo. For the last time, where is the mirror? I've no intention of telling you. Tell. No, don't hand over the mirror, or else.Your son. Wait! The mirror... It's buried. Under the cherry tree. Do you remember Chao Sun Ming? Chao?That's the name of the man you killed in Moon Swoon. It can't be... you! Get up. I'll allow you to die like a warrior. Father...Your friends.
keep friends. Those you love close to you. No. Father! No! For Hazuki-sensei. Ah là là. Quand c'est Ryo Hazuki, quand c'est Ryo Hazuki qui fait des cauchemars, c'est comme si c'était nous qui faisons un cauchemar. Je comprends pas pourquoi j'ai le son. Ah, pourquoi j'ai pas le son? Oui, c'est bon, j'ai compris. Donc voilà, vous l'avez compris en voyant cette image et en voyant surtout le titre sur YouTube. Shenmue. Shenmue, un de mes jeux favoris. Mais là, je veux pas parler d'avis personnel dans cette partie-là. Je vais plutôt parler du jeu en général. Donc je vais vous laisser d'abord. Avec son réveil. Voilà, donc salut à tous, c'est Nono. Et aujourd'hui, comme je disais, on se retrouve avec Shenmue. Et Shenmue is the best of the best. Donc pour ça, on va se faire une petite intro de Shenmue au niveau presse. On va savoir de quoi il en advient de ce jeu. Donc vous pouvez remarquer que c'est un jeu qui est magnifiquement fait. Il est sorti il y a bien longtemps pourtant. Il est sorti il y a bien longtemps et il claque encore à l'œil. Il n'y a pas à dire. Donc voilà, on pouvait tout faire dans ce jeu en plus. On pouvait récupérer des trucs, ouvrir les tiroirs. C'est vraiment the game. Mais je pense que je le répéterai jamais assez ça. Donc pour le descriptif de ce jeu, un témoin de l'assassinat de son père par le mystérieux Landy. Landy, c'était le chinois qu'on voyait avec la tunique chinoise. Le jeune Ryo Hazuki se jure de le retrouver pour venger son père. Tel est le point de départ de cette aventure hors norme qu'est Shenmue sur Dreamcast. Un jeu à la croisée d'une multitude de genres et qui comporte son lot d'actions et d'affrontements inspirés des arts martiaux. Donc ça sera difficile c'est de tout montrer dans cette vidéo, mais bon, c'est bon, j'ai pris ma décision, ça sera la preview 1.0 pour une preview 2.0. Et donc qu'est-ce qu'on peut lire au sujet de ce jeu sur un aperçu peut-être. Donc vous pouvez constater aussi au niveau des images franchement C'est complètement énorme. Il n'y a pas à dire.
Le titre que tout possesseur de Dreamcast japonaise a dans sa Logitech et que tout possesseur de Dreamcast européenne rêve d'obtenir, Shenmue, le jeu qui va révolutionner le jeu de combat. Donc bien sûr c'est la preview, hein. Ce texte là est tiré d'une preview. C'est que c'est vraiment c'était le jeu à voir quand on avait une Dreamcast, hein, quand on aimait un peu les jeux de baston. Mais quand on a vu comment il était ouvert ce jeu, on s'est dit c'est pas possible. C'est pas possible. Donc elle c'est Fuku-san, hein, c'est un peu la maîtresse de maison. Qui était présente, hein, le jour du malheur. Donc elle disait qu'elle était un peu fatiguée, hein, je voulais faire les traductions aussi, mais bon, c'est dead pour les traductions. J'aurais voulu les faire pour l'intro, mais bon, c'est dommage. Donc on est dans la salle, hein, on est dans le séjour, vous pouvez voir qu'il y a de la lumière dynamique, quoi. Il y a de la lumière dynamique, on est en 2000, mais c'est de la lumière dynamique qui est bien faite. Regardez-moi comme c'est propre encore graphiquement, mais c'est énorme. Regardez, surprise, ce que je sors du placard quand même. Bon, c'est bien sûr, c'est anachronique, hein. C'est pas possible. Hein. Je rappelle l'histoire, on est en 1987. Et la Saturne, elle n'est jamais sortie. Hein. Elle n'est jamais sortie à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il disait de ce jeu, hein? Pour ce qui concerne les combats eux-mêmes, vous aurez à votre disposition de multiples coups différents. Et tout au long de l'aventure, vous pourrez même en apprendre de nouveaux. Réalisé en motion capture par... de vrais experts en arts martiaux, le réalisme des mouvements est parfait. Bon, comme ouais, j'ai pas pu tout montrer, hein, je vous en dirai un peu plus plus tard, hein. Mais bon, pour ça c'est vrai que les combats aussi c'était vachement intéressant d'apprendre différents thèmes. Regardez-moi le, oh là là, regardez-moi le cafard, il y a jusqu'à un cafard qui sort du placard, quoi. On pouvait tout ouvrir, tout, c'est vraiment là, vous voyez, je regarde le repas et de suite Ryo va avoir un souvenir. On se met vraiment à sa place. Donc là il dit en gros qu'il aime pas les carottes. Pendant que tu es en train de dormir dans le lit, Ryo, le fermier travaille dur dans le champ pour prendre une par une les carottes et les récolter. Et il dit ok, je vais les manger. Il se rend compte que c'est assez difficile. Et que je vous laisse avec cette musique un instant. Good. That's my boy. Même le frigo, on pouvait l'ouvrir, quoi. C'est tout, on pouvait tout ouvrir, tout. C'est énorme. Ce jeu est énorme, mais que dire de plus d'un Shenmue, quoi. C'est Shenmue, il y aura qu'un seul Shenmue. Et d'ailleurs, hein, j'ai l'impression que pour le moment, il n'y en aura que deux, hein. Comme vous savez, il y a bien un 2, hein, qui est sorti sur Dreamcast et... par la suite sur Xbox. Donc c'est vraiment un jeu à faire si vous avez moyen de trouver une Dreamcast à 30, 40 euros, 50 euros et que vous avez l'opportunité d'avoir Shenmue. Ne passez pas à côté, c'est pas possible, vous pouvez pas. Regardez-moi ces graphismes, c'est extraordinaire, on pouvait tout faire, on
pouvait tout faire, on pouvait même prendre le téléphone, utiliser le téléphone. Mais c'est dramatique. C'est dramatique de voir ça à cette époque-là et qu'on ne retrouve plus des choses comme ça en 2011. C'est pas croyable, c'est pas croyable. Les développeurs s'investissaient, mais réellement, dans les jeux, quoi. C'est pas aujourd'hui où on nous sort du réchauffé tout le temps, tous les jours, c'est du réchauffé. Donc j'en profite hein, pour balancer quelques petites phrases hein, par rapport au dossier, à un dossier chez nous. Hein. Donc mis au monde par un homme qui a tout tenté pour en faire une œuvre d'exception et qui n'aura hélas pas eu l'occasion d'aller jusqu'au bout de son incroyable projet. Shenmue est un titre unique en son genre, sans aucun équivalent possible dans le monde du jeu vidéo. Donc bien sûr, le réalisateur de ce jeu n'est autre que Yu Suzuki, le grand monsieur de chez Sega à l'époque, qui a réalisé les Virtua Racing, les Virtua Fighter, Il a eu vraiment des idées. Ça a été le précurseur, le développeur, la tête pensante de l'avenir des jeux vidéo. Mais il a été trop visionnaire pour ce jeu. Ou peut-être qu'il n'a pas sorti sur le bon support. C'est dommage, c'est réellement dommage que Shenmue ne soit pas autant reconnu dans le monde, quoi. Il est reconnu que par ses fans, malheureusement. C'est vraiment dommage pour ça, parce que c'est un jeu qui me tient à cœur. Et savoir que la plupart des gamers ne le connaissent pas, c'est vraiment... On pourrait même... C'est le premier GTA-like, quoi, ce jeu. Ah là là. C'est triste, hein, c'est triste de voir ça. Regardez-moi le plan sur ce petit étang avec les nénuphars, la fontaine de roseaux, sans déconner. La fontaine en bambou. Regardez, hop, elle va se remplir d'eau. Et hop, c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Regardez-moi les carpes. Les carpes. C'est monstrueux, regardez-moi ce ciel, on est en 2000, regardez-moi ces graphismes, regardez-moi cet environnement, on est en 2000, il n'y a pas de clipping, tout s'affiche à l'écran, mais c'est énormissime, voir un truc comme ça en 2001, mais vous imaginez pas la claque graphique que j'ai prise quand j'ai joué à ce jeu. Donc voilà, là on retourne au dojo, et il y a Fuku-san qui nous attend. Don't worry, I'm fine. I want to ask you about that man. Oh, that man. Il nous demande si tout va bien. What did he talk with my father okay, about? Il lui pose la question Landy sur le mec qui s'appelle Landy, qui voulait le miroir, et il a réussi à l'avoir, et il s'est taillé du dojo. Donc la voiture noire. I see. Thanks, Fuku-san. If you remember anything at all, be sure to tell me. Et si tu te souviens de quelque chose, sois sûr, dis-le-moi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire, Ryo? Ryo-san, where are you going? You're not going out. Où vas-tu, Ryo? Please, qu'est-ce que tu vas faire après ça? Look what they did to Hazuki-sensei. S'il te plaît. They killed my father, right in front of me. Ils ont tué mon père. I will have my revenge. Devant moi. Et j'aurai ma revanche. I need to do this for my father. J'ai besoin de ça pour mon père. Regardez-moi cette claque graphique, quoi. Putain, on est en 2001. Il est sorti quand? J'aimerais la date exacte.
Exact, le 1er décembre 2000. Ouais, il est sorti pratiquement en 2001, quoi. C'est un jeu d'action-aventure, mais monumental. Monumental. Monumental, c'est... Regardez-moi encore une fois ces décors. C'est pas possible, c'est pas possible. Regardez-moi ces décors. Sans déconner. Donc j'avais appelé la météo juste avant, elle me disait qu'il allait faire un joli temps aujourd'hui. Voilà, on va continuer à visiter le jardin. Donc on est en off, hein, je vous le rappelle, hein, c'est pour ça qu'on profite. Il a été noté 18 sur 20 aussi. 18 sur 20, c'est pas rien quoi. C'est des excellents jeux qui sont notés 18 sur 20. C'est pas de la merde, hein. C'est clair. C'est clair chez nous, mais on a eu droit à des Samba di Amigo. Samba di Amigo, des jeux développés par Sega, des jeux produits par Sega. On a eu droit à des Sonic sur la Wii. Samba di Amigo, c'est sorti sur la Wii aussi. Il y a plein de jeux Dreamcast qui sont sortis sur la Wii. Et vous allez me dire que vous voulez pas sortir chez nous? Mais vous mettez un Shenmue avec une détection des mouvements même aussi basique que la Wiimote, mais je prends tout de suite. Vous me mettez dans une seule galette en plus le 1 et le 2, mais je prends la version collector tout de suite. Tout de suite, je la prends la version collector. Franchement, regardez-moi les ombres. Les ombres à l'époque, c'est... L'ombre suit exactement, bon, elle n'est pas totalement fidèle au corps, mais elle suit les mouvements de tous les membres. C'était déjà pour l'époque. Il y a plus de 200 ou 300 personnages dans ce jeu. Ils ont chacun leur figure, ils ont chacun leur voix. C'est un jeu qui a eu une trop grande dimension pour l'époque où il est sorti. Voilà, il est là le problème. C'est qu'il a tellement voulu tout toucher Yu Suzuki que au final il a rendu culte son œuvre, mais par une minorité. Le problème c'est que la Dreamcast n'était pas assez bien implantée sur le marché, sachant que tout le monde attendait la PS2. À partir de là, ils n'ont pas voulu se saigner à acheter une Dreamcast, les mecs. À savoir que la Dreamcast, c'était une borne d'arcade à la maison, quoi. Avec la carte Naomi. La carte Naomi, c'était la carte qui était utilisée dans les bornes d'arcade pour tous les jeux qui sont sortis en salle à cette époque-là. Les Soul Calibur et compagnie, c'était la carte Naomi. So you're going to keep her here? Donc là, on rencontre une petite meuf là qui nous dit, voilà, elle a trouvé ce chat, on va lui donner à manger. C'est les musiques sont monstrueuses. Les musiques sont monstrueuses. Wait a second. Okay. Alors 9 ans après le second volet et son final si frustrant, l'avenir de la série semble toujours incertain. La faute aux ventes décevantes des deux premiers volets. Pour autant, Sega vous gardez le titre en tête et se dit même prêt à se mettre au boulot sur Shenmue 3 à condition de trouver un soutien financier externe venant par exemple du support de l'un des grands constructeurs de consoles Sony, Microsoft ou Nintendo en échange d'une exclusivité pour la machine concernée. Voilà, en tout cas, les quelques notes d'espoir que l'on peut tirer d'un entretien accordé par Sega. C'était quand? C'était en février 2010. Donc là, on arrive en 2011 et il n'y a toujours rien, quoi. Il n'y a toujours rien. Qu'est-ce qu'on peut soutirer aussi encore du dossier? Les premières QTE, ça c'est...
Ah oui, ouais, c'est ça, c'était un passage dont je voulais parler, de toute façon, là, c'est obligé, j'en parle. Voilà, c'était, vous souvenez tous de ces genres de petites bornes, là, où on pouvait récupérer des petites figurines dans des bulles, dans des boules en plastique vissé, en fait, un peu comme les Kinder. Et là, on avait droit à ceux de Sonic, oui, à ceux de Virtua Fighter. Et bien d'autres encore. Ce ne sont que les deux premières bornes qu'on découvre. Et on découvre quoi? On découvre qu'on peut récupérer les trucs de Sonic. Regardez, là, on peut récupérer une enclume. C'était, je sais pas, c'est dans quel jeu? C'était peut-être Lavy Bomb. L'enclume, c'est peut-être dans... C'était peut-être dans Alex Kidd, hein, un des premiers jeux, un des premiers grands succès de Sega. Hein. C'est un peu Sonic qui a tué Alex Kidd d'ailleurs. Alors voilà, dans cette deuxième boule, là on trouve Knuckles carrément. Knuckles, bon, il n'existait pas encore à l'époque. Mais quel plaisir de revoir les grandes stars de Sega dans un jeu, quoi. C'est un énorme plaisir de voir des trucs comme ça. I should try again. Voilà, donc on va repasser. Si le concept des QTE est né avec Dragon's Lair, c'est Shenmue qui imposera pour la première fois cette appellation. Oui, parce qu'en vrai, Dragon's Lair, c'était la même chose qu'en dessin animé, mais vu que là, on était dans un jeu de baston... C'était différent dans un jeu d'action-aventure en plus où on dirigeait complètement le personnage. Je rappelle que Dragon's Lair c'était carrément un dessin animé où on ne faisait que appuyer sur les touches et ça restait un dessin animé. On n'avait vraiment aucun contrôle sur le personnage. I love these. Parfaitement intégrés au premier volet, les QTE restent néanmoins assez courts et peu nombreux. C'est pas faux. C'est vrai que bon, au niveau combat, c'est les. I know this. Comment dire? C'est du Virtua Fighter. Hein. D'ailleurs, on voit l'eau là justement. L'eau. On peut collectionner tous les personnages de Virtua Fighter, mais c'est énormissime. On pouvait rentrer dans tous les magasins, c'est pratiquement tous les magasins, c'est énorme. Shenmue, c'est énorme, il n'y a pas à dire. On pouvait prendre le temps de vivre dans ce jeu, on pouvait écouter, observer, se divertir, on pouvait vraiment zapper la campagne, hein, le mode histoire. Alors, quel avenir pour la saga aussi, hein. Quel avenir. J'aimerais tellement un Shenmue 3. Hein. Quel avenir, hein, pour la saga. C'est la question que toute la communauté, elle pourrait penser. Hein, franchement. Surtout après la fin de ce Shenmue 2, quoi. Voilà, y a pas, pour moi, il n'y a pas de Shenmue 1, il n'y a pas de Shenmue 2, il y a Shenmue tout court. C'est un gros jeu, les deux, c'est un très très gros jeu. C'est tout. C'est tellement la suite directe entre la fin du 1 et le début du 2 qu'on est obligé de considérer ça comme un seul et même jeu. Donc, il faudrait aussi que je parle du site Shenmue Master. Allez faire un tour sur Shenmue Master, tapez sur Google Shenmue Master. Vous connaîtrez tout sur ce jeu, tout. Donc là, il lui dit qu'est-ce que tu vas faire, c'est un secret. Hein. Mais attention à toi, pars pas trop loin, lui a dit Ryo. Et voilà, donc... C'est vraiment un jeu qui m'a marqué. C'est énormissime. Et apparemment, il y aurait même une traduction pour le Shenmue 2. Hein. Donc, alors, vous pouvez voir au niveau du temps. Hein, là, on est passé en fin d'après-midi avec ce
lapin rougeoyant dans le ciel. Alors je vais retourner au dojo, hein, si je m'en souviens bien, voilà. Et voilà, à partir de là, on va passer en live. Donc je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie en live et en direct. Donc je fais cette partie off après l'avoir fait, donc je sais exactement ce que je vais raconter après. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette première partie, et là on va enchaîner directement sur la partie live. Allez, je vous dis à tout de suite. What about those men? If you go after them, take me too. No way. Why not? Allez, on se retrouve cette fois-ci en live, comme promis. Et on va passer dans cette partie, dans la seconde partie de cette vidéo, on va passer au gameplay. Et le gameplay, là, au niveau des mouvements de Ryo, alors là, c'est limite catastrophique, mais ça va, ça reste jouable. Hein. Après, voilà, je vais essayer de vous faire découvrir la première ville qu'on découvre dans ce jeu. Et voilà, donc je sais pas trop de quoi je vais parler, c'est du direct en total impro. Voilà, à part la première annonce, comme j'ai dû l'expliquer, à mon avis, j'ai dû le dire dans la première partie, forcément. Qui est en off, mais comment l'expliquer? En fait, voilà, j'ai pas encore fait cette intro, justement, et je suis déconcentré par les paroles, là. Voilà, donc dans cette intro, justement, je vais essayer de faire la traduction aussi de ce jeu, mais je pense que je l'aurais dit en off. Donc on ressort du dojo. On est quel jour? On est le 5 décembre 86. Donc j'ai repris une autre sauvegarde, hein, pas longtemps après. Hein. Elle me permet juste d'aller au niveau de la ville. Donc ouais, si je peux aborder aussi la partie personnelle de ce jeu. Dans cette partie, ouais, je vais le faire. Ouais, j'en parlerai pas dans la première. Donc, ce jeu, c'est avec une très grande émotion que je le teste devant vous. À savoir que, pour moi, il fait partie de mes trois jeux favoris. Ça, y a pas à dire. Quelle heure il est là? C'est 9h du matin, bon, il ne doit pas faire très très beau, hein, à mon avis, parce que je vois qu'il n'y a pas trop de lumière. Le chat qui est en train de pleurer la faim, mais je lui donnerai pas à manger, j'ai pas le temps, c'est pas le but. Les temps de chargement sont affreux. Ah ouais, les temps de chargement sont affreux. C'est vraiment, ouais, dans cette partie gameplay, ça, il faut en parler. C'est clair et net que ça rend dingue, quoi. À chaque fois qu'on change de zone, il y a des temps de chargement comme ça, quoi. Pour l'époque, c'était super relou. Alors la jouabilité, c'est... Alors on peut courir avec la touche... Quoi, elle s'appelle sur cette sur la Dreamcast, c'est la touche R, hein, il n'y a pas de lettre écrite. Donc la touche R, forcément, hein, la gâchette droite, qui était progressive en plus, hein, elle était ajustable. Hein, c'était la première fois qu'on voyait une. Et le fait est qu'on pouvait justement doser, par exemple, des accélérations pour une voiture ou la vitesse d'un personnage. Regardez, là je vais appuyer. Là, je me déplace avec la directionnelle, donc il va marcher. On va aller à droite, à gauche. Voilà. Ensuite, là, je peux marcher aussi avec la gâchette R. Mais si je vais appuyer un peu plus fort, voilà, il va... Hop là, il court doucement. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la baston dans l'air ou quoi? Hi.
How's it going? What's wrong? I'm so thirsty. I want Qu'est-ce qui va pas? But I don't have any change. Il a soif, mais il a pas d'argent. Ah oui, je vais t'en acheter, il n'y a pas de problème. J'ai pas nourri le chat, mais bon, Ah, qu'est-ce que je lui recommande? À savoir que dans la version japonaise, il y avait des vraies marques de boissons gazeuses. C'était hallucinant, mais bon, regardez le Frida, ça ressemble un peu au Fanta. Le Jet Cola, c'est le Coca-Cola. Allez, moi je vais lui proposer un bon vieux, la marque rouge. Ah, il réfléchit quoi. Oh, j'ai trop parlé. Oh putain, dommage. Thanks again. Quoi, il boit pas? Ben moi je vais m'en boire une. Voilà, dans la partie gameplay, il y a ça aussi. Ryo pouvait boire. Ryo peut boire, mais il ne mangera pas. Allez, un petit coca. Et il aboie, attention, hein. Ça, il a une sacrée descente, ce Ryo. Good. Allez, cul sec. Et il jette à la poubelle en plus. Hein. Allez, oh là là, il pleut en plus. Donc on peut bouger la caméra tout en se déplaçant avec le joystick. On dirige le personnage avec la directionnelle et on bouge la vue avec le joystick. Donc voilà, la ville est assez petite. Hein. Voilà, j'en ai fait le tour pratiquement. Là, j'ai fait 70% à peu près. Voilà, et on marche dans la rue. Voilà, j'aimerais bien... Voilà, je pense que l'intro va commencer... cette deuxième partie va commencer par du gameplay. Après, on tentera la conversation avec les personnages et on va même essayer de les suivre. Donc voilà, la ville s'arrête ici. Voilà, ce qu'il veut, c'est des informations, mais on les cherchera pas dans cette vidéo. Donc voilà, la salle d'arcade, Game U. Mais c'est vraiment énorme, hein. Moi quand j'ai découvert... Oh quoi, elle est pas ouverte? Oh putain, dommage, ben ça sera peut-être pour une autre vidéo. Putain, c'est dommage. Donc vous voyez, on peut vraiment parler à n'importe qui, chacun a sa propre voix. Et je cherche un gars qui s'appelle Charlie. Il pense qu'il ne le connaît pas. Est-ce que j'ai faim? Bon. Il lui a proposé à manger, mais il lui a dit non merci. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait lui comme bouffe. Cominé Bakery, c'est boulangerie, non? Il lui a proposé une petite pâtisserie. Et vous voyez les horaires. Et on sait que voilà, on a la montre en bas à droite. Le magasin sera ouvert uniquement à ces horaires-là. Donc si on veut récupérer des conneries... à manger. Oh là là, j'ai failli me faire écraser par le scooter. Donc là, on va aller discuter avec le vendeur de fringues, petit connaît Charlie. Charlie, what's he like? He always wears a black leather jacket and sunglasses. Has a tattoo on his arm. Ah, you know him? Il a un tatouage sur son bras et il a des lunettes. Oh, he's showing off his tattoo. I see. About that guy with the tattoo? Yeah, he came by 4 or 5 days ago. Et au sujet des gars avec les tatouages. Always showing off his tattoo. What a loser. Know where I can find him?
Nah, I wouldn't know and don't care. Sorry, I can't be. Il se demande où est-ce qu'il pourrait les trouver. Et j'ai pas eu le temps de lire. Tant pis. Lui, ça a l'air d'être un voyou là. On cherche des voyous avec des tatouages. Do you know a man named Charlie? Huh? Charlie? Wears a black leather jacket, sunglasses, and has a tattoo on his arm. I see that guy out in front of the shop sometimes. Always ragging my merchandise. Ah, lui, il dit qu'il a vu, il a rencontré. Et il a jamais rien acheté. I see. Thanks. Excuse me. Hello, what can I do for you? Voilà, lui c'est un voyou. Lui. Guy named Charlie. What's he like? Je recherche un gars qui s'appelle Charlie. A black leather jacket and has a tattoo also. Il porte des lunettes et il a des vêtements noirs. Le truc c'est que je sais déjà où il habite, c'est Charlie. Mais tant que j'aurais pas découvert l'enquête, tant que j'aurais pas suivi l'enquête, j'arriverai pas à ce stade-là. Donc là, on va essayer d'aller voir un peu plus les loups-bars. Hein. On va chercher les loups-bars. Oui, lui, avec sa moto, il doit connaître des loups-bars en moto. Charlie, Charlie, you know him? He's such a poser. Thinks riding a hog makes him look cool, but it don't. He ain't a real biker. Do you know where he lives? No idea. C'est pas un vrai motard, il dit. Oh yeah, go to Tsuruoka. Il le connaît. You mean Tsuruoka-san at the jacket Tsuruoka. Tsuruoka. Thank you. Place. Faut que j'aille là. Voilà, donc c'est inscrit sur mon petit livret. Jacket shop. C'est OK, jacket shop. Mais le truc, c'est que c'est là où on vend des jackets. C'est le... Alors... On va le trouver... Ah, ici ça vend des vestes. Alors, on les voit ici. Yes. Do you know a man named Charlie? 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 I know Charlie Chaplin, but he's no longer with us. Me dit qu'il connaît Charlie, mais c'est Charlie Chaplin. Yes. Someone alive. Je pense que c'est plutôt quelqu'un local. Il lui a dit. Il a des tatouages et compagnie. I see. Donc on fait l'enquête dans ce jeu, c'est une enquête, c'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça, en 2001, 2000 ou 2001, je ne me rappelle plus, je le dirai à l'intro, c'est carrément énorme, c'est énorme, il n'y a pas d'autre... C'est Shenmue pour moi, c'est vraiment le jeu, quoi. C'est vraiment le jeu. C'est incroyable. C'est un jeu qui marque une génération. C'est énorme. Une histoire de malade, des musiques de tarés. C'est vraiment le jeu. Si vous ne l'avez jamais fait, mais pourquoi Sega ne le ressort pas sur Wii? Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Mais là, oui, elle fait exactement ces graphismes-là. En plus, elle n'aura vraiment aucun problème à faire tourner le jeu. Donc c'est vraiment, je trouve ça dramatique. Il y a des problèmes de droit, ils ne veulent pas lâcher leur petit bébé. Mais je sais pas, moi, ils ont réussi à expatrier Sonic. Pourquoi ils ne le feraient pas avec Ryo, franchement? C'est triste de voir ça. Hein. Il connaît quelqu'un. Mais j'en suis sûr, il connaît là le. Quand il ressemble, il porte des lunettes. Et il a un tatou sur son bras. Ah, il sait pas.
faut que j'aille demander au vendeur de vestes. Mais il était où cet enfant? Jinzu. Jacket shop. Charlie. Excuse me. Oh, hello. Do you know a guy called Charlie? Charlie? He wears a black leather jacket and has a tattoo. I really don't know. Ok, il explique encore sa description. Elle sait pas. Bah, tu ne sers à rien, vilaine. Pourtant, elle habite juste là. Voilà, je vous le montre. Le montre, il habite là, Stanford. Il habite ici. Non, il habite là, autant pour moi, c'est ici. Voilà. C'est là où il y a l'affiche sur la porte. Alors, le magasin de tout à l'heure où j'étais. Oh, j'hallucine. J'hallucine, j'arrive plus à retrouver le magasin de tout à l'heure. Lui, il a essayé de me refourguer ses... Voilà, mais il insiste en France. Il est là. Excuse me. Huh? That guy with the tattoo on his arm? He was here. Ah, j'aurais dû le questionner un petit peu plus. Ah, il vient souvent à 7h du soir. I see. À l'ouverture des bars. Ok. Donc le livret qui nous dit Sins at Jupiter Jacket at 7 Fish. Donc là il pourrait poser la question. Il n'a pas le temps lui, espèce d'enfoiré. Tom. Là il va peut-être, je vais peut-être poser la question à Tom. Hein. Tom qui est un Américain, je sais plus. Parce qu'il n'a pas trop la voix d'un Américain quand même. Mais j'ai un doute. Là, il parle un peu à la Jamaïcaine. Peut-être un Jamaïcain. J'ai carrément zappé. Excuse me. So sorry. I don't. Ah, pas le temps, espèce de vilaine. Excuse, et lui, ask me. Là. Et il est occupé lui aussi. On va voir les gens que je connais qui ont un peu plus le temps de me parler. Donc c'est rare quand même, hein, les personnes qui répondent pas aux questions quand même dans ce jeu. C'est vraiment une minorité. On va reparler à notre pote. C'est encore au sujet de Charlie. Il me dit d'aller à Tsurokas Place, mais c'est où? Alors pour ça, on peut aller voir, voilà, il y a des plans ici. On va voir si on va chercher Tsurokas Place. Mais le problème, c'est que je crois qu'il n'y a que les noms. On va essayer de parler à quelqu'un qui a le temps de m'y amener. Le Yokosuka Bar.
MJQ. Asia Travel, ça c'est une agence de voyage. On va chercher le Jack, comment il disait, sur le Jupiter Jacket. Jupiter's Jacket à 7h du soir. Donc il y a le temps, il y a le temps. On va zapper un peu cette. On va reprendre le plan. Le Jupiter, il est ici, il est là, vous voyez. Hop là, j'espère qu'on arrivera à le lire. Ouais, je pense à le Jacket Jupiter's. Donc voilà, moi je me trouve ici, il va falloir que j'y aille tout simplement. Et on va poser une question là-bas, à savoir si on ne peut pas attendre. Ça m'embête parce que le temps est quand même assez long à passer. Et dans ce jeu-là, on ne peut pas avancer. Dans le 2, on pourra le faire, mais là, on ne pourra pas avancer le temps. Ce que je trouve dommage. Donc là, il faut s'occuper ailleurs hein, pendant ce temps-là et revenir à 7 heures. Quoi. Voilà, le Jupiter's Jacket. Donc, pour revenir là, c'est cool. Il faut attendre vers 7 heures. Killing time until the bars open. What an ass. I see. Ah là là. Ah, ça y est, c'est ouvert. C'est parce que c'était pas ouvert tout à l'heure en fait. Donc voilà, ça c'était la partie enquête. Et maintenant, on va passer à la partie jeu d'arcade. Mais c'est carrément énorme. C'est carrément énorme de retrouver ça dans un jeu. Et je vous parle même pas de la surprise que vous trouverez dans le jeu, quoi. C'est vraiment extra. Donc on a des jeux de QTE ici. Hein. Le jeu il s'appelle QTE Title. Mais ce jeu en plus, c'est la première fois qu'on a vu des QTE dans ce jeu, quoi. Donc on a Angon. On a quoi d'autre là? C'est quoi ce poster là? On a un jeu de fléchettes aussi. Ici. C'est énorme. Regardez la borne d'arcade Angon, comme à l'époque. C'est monstrueux de faire des trucs comme ça. Quoi. Vous imaginez le fan de Angon de l'époque qui retrouve sa borne d'arcade là dans ce jeu. Et surtout, le fait de pouvoir accéder au jeu dans sa totalité. Donc on va faire une petite partie. Alors on va mettre 2 crédits, histoire que si je force sur le premier, je peux un peu continuer quand même. Regardez-moi ça, Angon, Prestart, Crédit 2, Sega, magnifique. Et on accélère avec la gâchette droite, on freine avec la gâchette gauche. Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai à peine appuyé sur la droite. Oh le truc de fou quoi. Ok, allez, on va jouer avec le joystick. Oh là là, je me fais peur là. Oh là là. C'est énorme de rejouer un jeu comme ça. Oh là là. Ah ouais, moi le jeu de ce. Le type de graphisme comme ça, moi c'est les jeux à la Rad Racer, je sais pas si vous en souvenez, sur NES. Il me semble que c'était Rad Racer. Hein. Ça y est, je commence à me chauffer là. Donc il y a le timing, vous voyez qu'il reste. Oh, il m'a envoyé dans les vapes, il m'a envoyé dans le. Faire du hors-piste.
Ah là, j'aurais même pas fini si j'ai réussi à finir le premier stage quand même. Oh là là, c'est tendu quand même. Et je sais plus si cette... Regarde, la musique aussi, de l'époque, ça le fait. Ah ouais, non, mais pour l'époque, c'était énorme, quoi. Oh, les enfants. Ah, cette musique. Oh là là, comme j'ai charté direct, ça tombe bien. J'ai fait le kamikaze pour pouvoir changer de jeu. Donc vous voyez, c'est carrément énorme. C'est carrément énorme. Voilà, putain, c'est dommage, j'aurais pas dû mettre de crédit. Ah là là, 75 secondes. Allez, je vais vous laisser pendant 75 secondes de musique de Hongon. Elle était carrément énorme cette musique. Franchement, il n'y a pas à dire. Elle me rappelle trop de souvenirs. Allez, on va sortir de là. C'est fou parce que ça rappelle des souvenirs du jeu de base et des souvenirs du jeu de Shenmue, quoi. C'est vraiment énorme. Allez, pourquoi je peux pas choisir? Ah voilà. Ah. Et là on revient dans Shenmue. Ça y est, on quitte la matrice. C'est vraiment ce jeu est stratosphérique, il n'y a pas à dire. Ah oui, il y a aussi un jukebox, je ne l'ai pas montré. Il y a aussi un jukebox, on va mettre une petite zik. On va mettre celle de Hongon, hein, comme quoi on peut choisir toutes les quelques musiques, que ce soit au niveau arcade ou au niveau du jeu, quoi. Voilà, donc Space Harrier. Il y a Space Harrier aussi, hein. C'est vraiment le mythe arcade de Sega, quoi. Allez, on va se mettre en mode. On va se mettre Speed Harrier, allez. Je me souviens plus trop de la musique. Elle va vite me revenir en tête, hein. On va se faire une petite partie de fléchette. Allez, non. On va passer plutôt au QTE. Don't play.
Donc là, c'est la main qui défile automatiquement au milieu devant l'écran, hein, qui va tout haut, en bas, de droite à gauche, et il suffit d'appuyer sur le bouton au bon moment pour viser au centre. Donc là, on a space arrière quand même. Space arrière, c'est vraiment limite de chez Sega, quoi. Le jeu, voilà, comme dans la borne, là, on jouait avec un joystick de un manche d'avion, quoi. One play, 100 yen. Allez, on va faire la QTE. Donc il faut bien que je me rappelle des boutons, parce que je me rappelle plus du tout. Oh là là, non, il est trop compliqué celui-là. Oh, il est trop compliqué. Je suis assez toutes les touches. Darn. Donc B, tu vois, je sais même pas où est le bouton B, sans déconner. A, voilà. Ah ouais, mais je sais pas où ils sont les boutons. Ça fait trop longtemps, j'ai pas joué. Oh là là. Game over, 1045 points. Oh non, sans déconner. C'est celui-là que je voulais essayer. QTE title. Voilà. One game, 100 yen. Ça, ça se joue sur 3 boutons, ça va le faire. Hey kid, donne-moi ton meilleur coup. Allez, on va se faire soigner les faciles sur 3 boutons, de gauche, milieu, droit. Et voilà, il n'y a qu'à enchaîner, il n'y a pas besoin de connaître l'endroit des boutons. Concentré. Concentré. La première apparition de QTE dans ce jeu. La toute première. Ils sont en train de m'endormir avec le A. Voilà, j'en étais sûr. Là, ils m'endorment avec le B. Voilà, ils m'ont endormi. C'est ce que je disais. Oh là là, j'ai perdu une vie. Allez, on va battre le high score quand même, c'est toujours ça. Oh là là, ils vont m'endormir. Là, ils m'endorment. Ah, ça y est. Oh là, faut enchaîner les deux là. Ah, faut enchaîner les deux là maintenant. Oh là là, j'ai failli passer à côté. Oh là 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 là. Bon, j'ai le high score, hein, déjà. c'est toujours ça de pris. Ah oui, putain, j'ai inversé les boutons. Bon, je l'ai pas fait en mode concentré là, mais bon, vous avez pu voir le principe de ce jeu, quoi. Et qu'est-ce que je peux montrer encore? Allez, on va sortir. Voilà, vous voyez que là, j'appuie sur le bouton pour courir, mais Ryo ne court pas dans les établissements, hein. Il ne veut pas se faire remarquer. Toujours cette putain de temps de chargement. Qu'est-ce que je peux... Ah, il est quand même 4 heures, hein. Donc il arrive à 7 heures, oh non, ça va faire trop long à attendre, hein. Vous voyez là, je suis resté quand même 2 heures, ça a été comptabilisé comme 2 heures. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer d'aller suivre, on peut suivre les gens. On peut voir ce qu'ils font, on peut les suivre, ils vont aux toilettes et tout, on les suit. Hop, il pleut plus, elle a enlevé son... Voilà, ils enlèvent leur parapluie, il pleut plus.
donc elle, elle décide de regarder un peu les légumes. C'est vraiment énorme, hein, quoi. Chacun a sa petite vie dans le jeu. On va se déplacer. Voilà. Elle a fait ses petits achats. Voilà, donc je pense qu'on va arrêter la vidéo sur cette dernière partie, sur cette dernière petite mission. Voilà, on va voir un peu ce qu'elle fait de sa vie, un peu celle-là, pour vous dire que chacun des personnages, comme je disais, qu'on rencontre dans le jeu, mène sa petite vie. C'est vraiment très très bien fait, quoi. Comparé à d'autres jeux où il va apparaître 100 mètres avant et puis après il va disparaître au bout de 100 mètres quand on l'a plus dans le champ de vision. Là c'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait. Pour l'époque en plus, il n'y a vraiment pas à dire. C'est énormissime. Donc le design de Ryo, il a rien perdu. C'est un design de fou. Voilà. On pouvait pas faire mieux au niveau caractère design. Il a la classe. 10 ans après encore, il a la classe. Il n'y a rien à dire entre la coupe de cheveux, le faciès, les vêtements, le caractère du personnage. C'est vraiment un jeu apocalyptique. Pour ça, franchement, je crois qu'il y a eu 70 millions de dollars de budget pour ce jeu. 70 millions de dollars. C'est pas rien quand même. Il s'est bien vendu pour la Dreamcast. Il s'est vendu à un million d'exemplaires, hein, un petit peu plus d'1 million d'exemplaires chacun, le 1 et le 2. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas une suite. Hein. Ah, il nous faut un Shenmue 3, c'est clair et net. Il nous faut un Shenmue 3. Voilà, donc là, elle est venue acheter des clopes, hein, au tabaco, je sais pas quoi, qui est ouvert de 7h à 18h30. Hop là, il va chercher son truc, il lui ramène, il s'assoit. Chacun mène sa petite vie. Même moi, si je veux utiliser le téléphone, je l'utilise. Hop, je vais appeler un numéro assez facile, number assistance. Ouais, après ils sont trop longs, parce qu'après on peut appeler au dojo, on peut appeler Nayukito, on peut appeler Nozomi. Ils peuvent nous donner des indices par téléphone, mais ils ont vraiment pensé à tout, quoi. C'est énorme, c'est carrément énorme. Voilà, donc le Memopad, il s'appelle. Donc ce jeu, c'est une véritable tuerie. Hein. C'est une véritable tuerie. J'ai pas montré hier, parce qu'il y a les combats aussi. Mais bon, je pense que cette preview, ce serait une preview 1.0. Quoi, parce que on peut pas expliquer chez nous comme ça en une heure, quand on veut bien faire écouter l'intro, quand on veut montrer un peu de gameplay, c'est obligé que ça prend du temps sur un Shenmue, c'est obligé. Donc voilà, pour le moment, je pense que ça restera une 1.0 et on verra si je fais la suite ou pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Hein. Je pense qu'elle aura fait un peu plus d'une heure en additionnant les deux parties. Donc je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine. Salut.
Ah, good. Où est-il? Nous l'avons perdu.